avec nous. Abdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Caraïbes, bonjour à tout auditeur, auditrice. On commence d'emblée depuis le gouvernement Gary Conille prend pouvoir, donc la presse et les gens considèrent que c'est un ministre plus actif dans le gouvernement. Et première action au prince c'était rappeler un pile diplomate qui était impliqué dans des actes de corruption. Résumé en tout cas, et hier lundi, l'ULCC l'a publié et transmet officiellement à la justice et une série de rapports côté demandé pour mettre Action publique en mouvement contre 13 anciens diplomates qui sont pensés dans une décision comme ça. Alors, juste pour nous, c'est l'appel nous a lancé, on ne va pas préjuger personne. Donc, et le travail ULCC est bien pour le faire, son travail que l'on a fait de façon autonome, indépendante. Par exemple, pas y a aucune communication entre ULCC et MAE pour nous connaître qui ça rejoint, qui ça ne va pas rejoindre. Nous apprenons, même genre avec le grand public, que tu as 13 anciens diplomates rappelés qui font partie de monde qui n'a pas fait déclaration patrimoniale. Donc moi-même, pas y a opinion pour me gagner par rapport à travail et enquête ça, qui est en cours d'ailleurs, parce qu'ils ont insisté que c'est seulement premier et révélation que je joins, nous connaissons que le travail là qui a continué, qu'il y a des documents que vous m'avez nous partager avec eux. Et donc, moi, saluer le travail que l'ULCC fait. Et c'est pour ça au cas où tout, que nous faisons injonction pour nous demander tout et diplomates qui fait déclaration patrimoniale, c'est ça la loi mandé. Et le ministère n'est pas là pour le temps pour diplomate l'en faire. Et puis pour après, il a puni lui. Il a pour essayer d'encadrer les diplomates là au maximum pour éviter justement de tomber dans l'erreur. Parce que ça qui est important pour comprendre et guérir ce mal, comme toujours dit. Tout poste qui a un privilège vient avec responsabilité. Et moi-même, comme c'est chef mission, m'a dit que nous jouons un pile privilège. Il y a un pile responsabilité qui vient avec poste là. Et il faut toujours dans l'équilibre tous les deux. On joue privilège là, mais on répond à la responsabilité, tant par rapport à pays que par rapport à la loi. Alors, le ministre a annoncé plusieurs réformes dans le ministère des Affaires étrangères, pendant la installation. Je dis à qui j'en ai forme ça, oui, qui j'en a pas avancé. Je pense qu'on a bien avancé, nous avons tout, nous avons déposé des instruments juridiques et qui sont censés adopter bientôt. Nous avons déjà eu un premier retour de primature là. Donc c'est un signal que le processus là en cours pour que nous quittions des bagages qui pérennes. Ce n'est pas seulement faire une réforme dans l'action, mais une réforme qui a arrêté de façon pérenne et durable pour le ministère là. Demain, l'homme parle encore, c'est un nouveau ministre qui a bâti sous lui et créer un cadre légal tout côté diplomatique qui a rejoint une tête. Pour ce n'est pas seulement orientation ministre qui décide la direction ministère là, mais que le ministère là en lui-même, il y a une fondation et une base qui permet à tout diplomate de connaître les règles du jeu. Donc c'est un peu, et là nous y est, je pense que le signal là très bien reçu par la population. Hein. Et diplomate, même c'est sûr que nous avons une période, tout changement provoque une certaine instabilité, mais ambition, hein, et je pense que nous ne devons pas décourager, il faut nous continuer. Ambition, hein, c'est justement pour que nous étirer ça qui n'est pas bon, qu'il y ait ça qui voulait travailler, qui peut-être qu'a caché en bas ça qui a fait ça qui n'est pas doué à faire. Et essayer de mettre les gens à eux. Parce que nous avons de très bons diplomates qui voulaient au service pays, mais qui peut-être manquaient orientation et manquaient capacité pour penser tout. Mm-hmm. Et concernant le plan 50-50, ça veut dire une sorte d'égalité, garçons, femmes dans la diplomatie. C'est pas une décision que moi-même j'ai pour me défendre. La recherche montre de vous mettre les femmes dans une position de pouvoir, de décision, processus décisionnel, plus en rapport avec qui ça qui est bon pour intérêt commun. Donc là, on prend en forme la diplomatie, et pour mettre le chef de mission, ou rapprocher ou demander des questions d'État, et ou éloigner de questions d'intérêt personnel. Donc ce n'est pas moi-même qui dis, c'est à travers un paquet de recherches qui fait, qui montrait que leadership féminin a des capacités. Ça ne veut pas dire que le garçon va louer dans le poste leadership. Mais équilibre, c'est un gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, ou vient servir en vision, qui sont visions que nous devons défendre, qui c'est l'égalité des genres, que le Premier ministre défend de façon très sérieuse et nouvelle dans l'égalité et des genres que lui montrer et dans le cabinet que lui publié. Nouvelle dans le ministère régalien, que lui proposer deux ministres femmes pour deux ministères régaliens. Et nous pensons que l'été normal et c'était bon moment pour que nous fassions place pour femmes haïtiennes. Et nous avons dit, nous, ce n'est pas seulement en Haïti que ça a bien reçu. Au niveau international, ça fait un pile bruit de façon positive. Ils ont surpris, et même au Brésil, parce que nous parlons sur le Brésil sûrement tout à l'heure. Et au Brésil, ils ont dit, mais nous espérons.
rencontré des responsables instituts Rio Branco qui c'est académie diplomatique là, ils ont dit nous qu'on y a ou ben nous on bord pour nous suivre pour que nous arrivions à l'objectif ça à tout parce que mesdames yo bien placé dans le poste leadership yo et me pensais que et jusqu'à présent il a fait preuve. Alors, dans ce qui a à voir avec formation, nous avons annoncé que nous avons un partenariat avec l'Acadie entre l'Académie Jean-Presmos et Corpua. Et qui a avancé dans ce moment-là? Son protocole qui va signer aujourd'hui, hein? Nous très contents parce que le protocole ça va permettre nous faire un paquet de bagailles. Premièrement, il va renforcer l'Académie, hein? Et il va permettre nous créer des mécanismes d'entrée dans l'Académie, hein? Qui est décentralisé, qui est équitable, qui permet tout le monde de chance égale. On pas obligé pour tout le monde. Si annoncé l'UMT fait entrevue dans la métropole, que c'est un bagage que nous voulons faire, qu'on a annoncé que le bras fait dès aujourd'hui, il est officialisé, côté que le concours va l'organiser par Corpua, à travers tous 10 départements, et bourse que nous recevons, côté que c'est le ministère là, qui a un pouvoir discrétionnaire, ce qui est si bénéficié de bourse, nous allons déléguer. Et on partit autorité ça pour que nous décidions ensemble avec Corpua. Parce que ça qui est important pour nous comprendre, ce n'est pas seulement que nous dit Corpua, mes responsabilités, mes ballons, c'est que l'Académie vient faire partie à part entière de Corpua. Donc c'est une décision qui vient à faire collégialement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire qu'il n'est pas mis sous côté, il n'a pas parlé de l'Académie. Du tout. Au contraire, il vient, et peut-être que c'est ça que nous devons articuler mieux, partenariat avec Corpua, qui a signé jeudi, au partenariat de fait. Parce que Corpua répond nous à sollicitation pour que nous rejoignions, ils répondent nous que désormais nous membres à part entière. Qu'on y a un protocole pour seulement définir des mécanismes de partenariat avec Corpua, notamment concours et puis des gestion boursière. Et aussi tout, et ça me très content de l'annoncer comme Monocap, et diffusion cours que l'Académie a bâillé, notamment dans le master, qui est accessible dans l'université publique. Et c'est l'université publique du Nord qui prend la première université qui prend la gagner capacité pour lire et diffuser cours ça. Donc ça veut dire un étudiant qui est dans le Nord, il n'est pas obligé de déplacer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et nous-mêmes, nous sommes salués, M. Corpua, parce que, particulièrement président, qui présentait nous semaine dernière, une vision très moderne de ça, vous voulez faire un partenariat avec l'Académie Jean-Presmos là, et notamment des cours à distance avec des professeurs qui sont dans la diaspora, qui a fait des échanges d'expérience, des anciens diplomates, des sommités, ils ont vraiment une vision moderne de mettre à disposition des ressources pour étudier yo, et permettre de rentrer dans l'air du temps. Alors, lundi 5 août 2024, dans nos ministères Affaires étrangères, vous avez soumis 5 ou 6 instruments juridiques qui ont rapport avec réforme diplomatie haïtienne, qui t'a été adopté dans le Conseil des ministres. Comment ça a marché? Jean Guinois, nous déjà recevoir les commentaires préliminaires de Primaturlan, de services juridiques Primaturlan, et nous allons accommoder. Et il y a des remarques bien entendu très pertinentes. Et une fois que nous finissons avec ça, nous espérons aussitôt que la semaine prochaine, nous allons proposer texte pour adoption. Dernier déplacement, où tu es dans le pays Brésil, où tu es dans la tête d'une délégation comme ministre des Affaires étrangères. Et qui est l'objectif principal et voyage là, et qui sont venus avec nous pour Haïti? Alors, voyage là, tu as un pile objectif. Mais femme dit nous, je ne pense pas qu'en Haïti, nous sommes obligés de faire le cas que le Brésil est un pays qui est important dans la région. Hein. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est un pays qui est extrêmement important dans le monde, qui nous voit, et nous tous connaissons le leadership président Lula. Et l'été important, si nous regardons les feuilles de route et le gouvernement qui publie, l'été important pour que nous regalvanisions le soutien en faveur d'Haïti. Il y a un désengagement que nous constatons. Et son désengagement que parfois yo est qualifié de Haïti fatigue, parce que dit Haïti toujours en crise, pays yo dit que investit en Haïti, ou pas pour ça investi, et puis yo bay vague. Faut, dans le même contexte là, où il y a environ 60 conflits dans le monde, 60 situations qui ont sollicité l'attention de la communauté internationale. Et parmi lesquelles nous connaissons une qui est importante, c'est en Ukraine qui prend toute attention, surtout et l'Europe. Ou bien situation au Proche-Orient, ou bien au Moyen-Orient, excuse-moi, ou bien situation qui dans un pays africain, et là où est Soudan par exemple, et qui demandait un pile attention de communauté internationale. Là, Haïti, on t'y joue